Et vous êtes un artiste, vous êtes une célébrité et vous vous engagez. Alors cet engagement, il n'est pas commercial, Mathieu Chédid, il est éthique. Oui, il est éthique, il est même amical aussi, parce que je connais Stéphane de Freitas. Je ne sais pas si vous l'avez introduit, mais avec tout son travail aussi de documentariste incroyable et d'homme passionné que je connais vraiment depuis peut-être 8 ans, quoi, 8, 9 ans. Et donc c'est un travail à long terme, et c'est vrai que cette application Indigo, ça fait 7 ans qu'il travaille dessus, 7 ans qu'il m'en parle. Donc j'arrive pas comme ça, la gueule enfarinée, on va dire. Je sais de quoi il s'agit, et c'est vrai, et c'est une vraie proposition. Je pense qu'on a besoin de réponses et de choses fédératrices aujourd'hui. Alors la réalité, quand je parle d'éthique, c'est que d'abord, avec Indigo, on est dans un réseau qui permet l'entraide. Je reprenais justement une citation de Stéphane de Freitas, qui est le fondateur d'Indigo, qui disait « Recycler un objet ou filer un coup de main, c'est un bon moyen de réparer les inégalités au quotidien. » Ouais, je crois beaucoup à ça. Je crois qu'on a besoin de se rassembler dans cette époque un peu brûlante. Et c'est évident que des actes comme ça, des actes gratuits parfois, sont des nécessités. Je crois qu'on a besoin d'être rassurés par l'humanité qui est en nous, heureusement, encore un peu.